Monsieur le Président. Rapidité, efficacité. Pour le Premier ministre, fini les débats. Manuel Valls engage à nouveau sa responsabilité pour faire adopter enfin la loi Macron après 10 mois de discussion. Je connais les immobilismes et les conservatismes. Et je sais aussi que certains préfèrent les postures à la réforme. Mais je sais surtout que nous devons aller vite, que nous devons accélérer le rythme des réformes. La loi sera adoptée si la motion de censure du gouvernement déposée par l'opposition est rejetée, ce qui devrait être le cas. La droite et le front de gauche dénoncent un déni de démocratie. Cette faute-là, monsieur le Premier ministre, elle mérite une sanction lourde, elle mérite un carton rouge. Et si vous aviez le courage de retourner devant les urnes, monsieur le Premier ministre, mais vous n'aurez pas ce courage, les Français vous balaieraient comme on balaie un fétu de paille. On se fait traiter de conservateur dans la mesure où on demande à ce que l'Assemblée puisse fonctionner correctement. C'est absolument inacceptable. Nous refusons de participer à cette espèce de mascarade. Dans la majorité, ce deuxième recours à l'article 49.3, comme en février dernier, n'est pas digéré non plus par les frondeurs. Manuel Valls, François Hollande, l'exécutif, choisit de passer en force. La motion de censure sera discutée jeudi à l'Assemblée.